Ouais, les amis, Sakito, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur BioShock, le premier du nom. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est le 15, demain, ça sera le 16, et demain, ce sera la sortie de BioShock The Collection, le jeu qui prend les trois jeux de BioShock et qui les a remasterisés. Mais bon, moi, personnellement, je vais pas investir dans un nouveau jeu. Ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà les trois jeux de disponible sur PC, PS3 et même 360, donc oui, je suis un pigeon, oui. Enfin bref, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une nouvelle aventure, un nouveau let's play sur ce jeu, et sachez-le, je l'ai déjà fini une ou deux fois, mais bon, ça fait quand même 3 ou 4 ans maintenant. Donc, 3 ou 4 ans, ça fait bien plus que ça. Ouais, ça fait bien plus que ça. Enfin bref, on va pas s'attarder sur ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer directement dans l'aventure. Les réglages, normalement, j'ai tout fait. Il y a juste le sous-titre. Sous-titre, oui, c'est fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nouvelle partie et on va se mettre en difficile. Yeah! Putain, je kiffe ce jeu. Et je vais jouer pour la première fois, je vais jouer sur PC avec clavier et souris. Donc, chut, chut, Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Hop là. Du coup, enfin, je pense vous connaissez l'histoire, je vais pas vous la raconter. Et ceux qui ne la connaissent pas, je vais pas vous spoiler non plus. Je vais essayer de faire comme si je découvrais l'histoire. Donc, je vais pas vous spoiler. Bref, là, apparemment, on se retrouve. Enfin, on se retrouve. C'est pas apparemment, on se retrouve dans l'eau après avoir eu un accident d'avion. Comme je vous dis, l'histoire, je la connais, mais bon. Là, du coup, on va nager. C'est quoi le nom de l'avion? Enfin, bref. Oh, je vais où, là? Ah, par là. Et qu'on peut voir le fameux... Le fameux phare dans BioShock. Toute l'aventure commence par un phare. J'ai hop. Bon, comme je vous disais dans l'intro, c'est que demain il y aura le fameux BioShock The Collection qui va sortir. Ça veut dire qu'il y aura de meilleurs graphismes, de meilleures optimisations du gameplay, mais bon, personnellement, comme je vous dis, je vais pas investir 50 € pour avoir le jeu alors que je l'ai déjà sur trois plateformes différentes. Donc voilà. C'est toujours un plaisir de redécouvrir le jeu, c'est abusé. Ni dieu ni roi, le pouvoir à l'homme. C'est toujours un plaisir de redécouvrir. Quel pays pour moi aimé semblable André Ryan, n'importe quoi. Andrew Ryan. Ouais, c'est cool. Putain, je kiffe cet univers. J'adore. Ce que je pourrais descendre. Ça fait quand même un petit moment que j'ai joué au jeu. Donc voilà. Alors, c'est quoi ça? Ah, la fameuse capsule. Industrie. Et là-bas, c'est quoi? Science.
la fameuse capsule qui va nous ramener dans l'eau. C'est parti. Service radio. J'ai pas eu le temps de lire. Ah. Ah oui, bah oui. Putain, je kiffe ce site des années 60. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les gros hommes arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Je le sais parce qu'une bathysphère descend. Et à moins que le bazar là-haut ait pété et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Oh putain, l'univers BioShock, je kiffe sa mère. De la souris pour... d'accord, j'appelle. Oh, pas grave, manière. D'accord, encore une petite minute. La bathysphère arrive. Johnny, la sécurité s'est déclenchée partout. Reste pas là, vite. Pitié, madame. Je savais pas que c'était interdit. Faites pas de mal. Laissez-moi partir. Je vous donne mon arme. Vous pouvez... Au revoir, mon petit. C'est à nouveau. Oui. Bonjour. J'arrive pour te déglinguer. Ou me faire déglinguer. J'ai dit que je vais pas spoiler. Non mais sérieux, calme-toi. Oh, j'espère qu'il n'y a pas d'épilepsie dans les viewers. Espèce de folle, va. Attends, je vais te calmer, va. Tu vas voir. On va avancer quand même. Ah, sérieusement, j'adore cet univers. Je suis prêt à faire ça, enfin, à juste me balader dans tout Rapture. Ça serait bien qu'ils sortent
au lieu de faire des remasters, je sais pas quoi, et ça serait bien de qu'ils sortent, je sais pas, un jeu où on pourrait juste se balader dans Rapture, ce serait cool. Appuyer sur C. Je devrais peut-être jouer à la manette. Je devrais peut-être jouer à la manette en fait. Bonjour. Tu fermes ta gueule s'il te plaît. Ah oui, là-haut. Attends. Êtes-vous aussi fort que mon père, monsieur? Ah, si vous n'avez pas visité le jardin des glaneuses. Les papas. La vision d'un homme, le salut de l'humanité. Ok. Le jardin des glaneuses, ça me rappelle ça. La Smith. Ça me rappelle de ça, ah oui. Je vais prendre tout de suite. Attendez. J'ai l'impression que c'est un peu trop sensible là. Attends. Comment? Sensibilité, mettons en 2 s'il te plaît. 3. C'est à partir de là que je vais avoir mes capacités.